Général Kassraté Tiapé Edouard. Dans une école primaire publique de Tabou, il est admis à l'école militaire Saint-Louis du Sénégal en 1963, où il obtient le baccalauréat série lettres en 1970. Il entre ensuite au lycée polyvalent mixte de Toulon en France. Il en ressort avec succès et est admis à l'école de formation des officiers de Saint-Cyr en France. En 1977, il obtient le certificat de sciences criminelles à la faculté de droit de Paris. De 1985 à 1986, il entre à l'école nationale d'administration à Abidjan, en formation au cycle des officiers option diplomatie. C'est ensuite l'Institut supérieur des langues qu'il accueille en Allemagne, d'où il ressort avec un diplôme. Au plan professionnel, après la formation d'officier à Saint-Cyr, il a fait plusieurs stages qui l'ont conduit successivement à l'école d'application de l'arme blindée et cavalerie de 1975 à 1976 à Saumur en France. Supérieur des officiers de gendarmerie de 1976 à 1977 à Melun en France. Au cours de capitaine à l'école de cavalerie de Saumur de 1983 à 1984. Au cours d'état-major à l'école d'état-major en Allemagne de 1986 à 1987. Au cours supérieur d'état-major à l'école militaire de Paris de 1994 à 1995, à l'école supérieure des guerres de Paris, de 1995 à 1996 et au FBI à Washington en 1997. Il a occupé diverses fonctions dans la gendarmerie où il a gravi tous les échelons. De 1977 à 1978, commandant du peloton mobile de gendarmerie à Dimbokro. De 1978 à 1990, commandant de l'escadron blindé de gendarmerie à Aban. De 1990 à 1993, commandant de la compagnie de gendarmerie à Séguéla. De 1993 à 1994, commandant des légions adjoints de gendarmerie à Korogo. De 1996 à 1999, officier détaché à l'ex-conseil national de sécurité. Pendant cette période, il a été membre des missions de l'ex-ANAD à la CDAO, à l'ex-OUA et à la Banque mondiale. De 1999 à 2000, il est commandant de la 3e Légion de gendarmerie de Boaké. Il sera successivement commandant militaire du palais de la présidence de la République et commandant supérieur de la gendarmerie nationale avant d'être ambassadeur au Sénégal au lendemain de la crise post-électorale. Dernière fonction occupée, avant de faire valoir ses droits à la retraite. Adieu, valeureux soldat. Adieu, notre Djotou. Adieu, notre Tabio de la grande région de San Pedro, de la cité de Gibeto à Tabou, du village de Carrier, la terre de tes ancêtres. Ainsi se ferme
les portes de ta vie sur terre. Le général de tous et de tous les Kroumènes, repose en paix. Aimé dit de te reposer en paix. Aimé Iné dit de te reposer en paix. Armel Iné dit de te reposer en paix. Oui. Jean-Claude Guiraud te dit de te reposer en paix. Et tous les Kroumènes de San Pedro, de Tabou, de Grabo, de Bérébi te demandent de te reposer en paix. Merci. Adieu, mon général. Adieu. Que la tête soit légère. Adieu.